toutes et tous, ravis de vous retrouver sur Sport en France. Vous avez aimé le premier numéro de notre nouveau programme Athlètes, les rendez-vous de la CAN. Alors on recommence, 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport avec lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. Pour ce deuxième numéro, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important, le dopage dans le sport, des mesures et dispositifs mis en place pour lutter contre ce phénomène, des risques chez les jeunes mais aussi dans le milieu amateur, des alternatives aux produits dopants. À mes côtés, comme d'habitude, c'est Marie Martineau. Ça va Marie? Oui, salut Max, ça va bien, merci, bonjour à tous. Eh bien écoute, on commence direct par ton édito Marie, c'est parti. Se bourrer de vitamine C et de zinc à l'approche de l'hiver pour tenir éloigné cette bonne vieille crève. Dans la démarche du dopage, dans la philosophie du dopage. Mettre du guronzon dans son coca pendant la période d'examen pour ne pas dormir et réviser plus. Dans la démarche du dopage et dans la philosophie du dopage, s'enfiler quelques laxatifs pour compléter le régime alimentaire et atteindre le body summer de ses rêves. Dans la démarche du dopage, dans la philosophie du dopage. Avaler une pilule de Viagra pour faire ce qu'il y a à faire avec Jacqueline et ne pas perdre la face. Dans la philosophie du dopage, dans la démarche du dopage, compléter l'eau de sa gourde avec des protéines pour mieux vivre la séance de fitness du mardi soir. Dans la démarche du dopage, dans la philosophie du dopage. Se faire péter les dernières baskets Vaporfly Next pour éclater les chronos du footing dominical. Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu? J'ai pas révisé là. Ah, parce que tous les matins il faisait son petit déjeuner? Petit déjeuner, je t'en foutrais moi. Anne, parce que tous les matins il faisait son lit? Son jogging, bande de buse. Son quoi? Son jogging. Dans la démarche du dopage et dans la philosophie du dopage. Et enfin, s'ouvrir un peu les bronches à la ventoline pour réussir à suivre Bobonne en ski de fond aux vacances de février. Dans la démarche du dopage, dans la philosophie du dopage. Alors, n'essayons pas tous de s'arranger avec nos propres limites, de se prémunir des effets de nos failles pour être toujours la meilleure version de nous-mêmes. Et de nous-mêmes face aux autres, surtout. Après tout, tant que les solutions pour être plus performants au moins un instant, nous serons offertes comment s'en affranchir. C'est la même histoire dans le sport de haut niveau, mais là on ajoute à tout ça l'argent, l'ascension sociale, la notoriété, la gloire et l'éternité. Alors il semble que face à l'ego et à la réussite, la morale fasse bien pâle figure et que l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes restent souvent amendées sur l'autel de la performance. Alors c'est quoi le problème ? Alors, c'est quoi le problème avec le dopage en France? Pour en parler, justement, Quentin Bigot, en visio avec nous, vice-champion du monde de marteau en 2019 et contrôlé positif au stanozolol en 2014, suspendu 4 ans, dont 2 ans avec sursis. En plateau, Jérémy Roubin, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, AFLD, est avec nous. En face de toi, Jérémy, il y a Anne Templet, responsable de l'unité internat des mineurs de l'INSEP, que je connais très bien, et de la prévention dopage pour les jeunes. Et enfin, en visio également avec nous, Sophie Berwick, responsable de l'organisation de l'antidopage pour Paris 2024, pour l'ITA, International Testing Agency. Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors le dopage dans le sport, qu'il soit au niveau professionnel ou amateur, a beaucoup évolué ces dernières années. Les sportifs de haut niveau sont de plus en plus surveillés et les méthodes à la pointe de la technologie comme l'application ADAMS permettent désormais aux préleveurs d'effectuer leurs contrôles de manière inopinée, des contrôles parfois critiqués, car le dopage est un vaste sujet qui a ses contradicteurs, mais aussi ses adeptes. Alors côté amateur, il est de plus en plus facile de se procurer des produits permettant d'améliorer les performances, un risque donc pour la jeunesse. Alors pour bien comprendre le problème, je me tourne vers toi Jérémy d'abord. Quand on parle de dopage aujourd'hui, à quoi pense-t-on directement? Et finalement, est-ce que certains sports sont plus touchés que d'autres? Alors je pense que sur le principe, tous les sports potentiellement sont susceptibles de connaître des affaires de dopage.
Et je pense qu'il faut surtout qu'aucune discipline sportive ne se sente à l'abri de ce phénomène. Alors, il est plus ou moins développé selon les disciplines, pour une raison objective, hein, c'est que certaines disciplines demandent des capacités d'endurance ou de force plus importantes, et donc l'intérêt, entre guillemets, du dopage est plus fort. Mais je pense que c'est important de rappeler que le dopage, avant tout, c'est vouloir améliorer sa performance. Elle peut être même minime, cette amélioration, et donc elle peut être intéressante, entre guillemets, pour un sportif ou une sportive dans n'importe quelle discipline. C'est quelqu'un qui, si j'ose dire, transgresse les valeurs d'intégrité. Donc, au final, tout le monde peut un jour céder à la tentation du dopage. Donc, il faut, je pense, surtout ne pas se sentir prémuni contre le dopage. Après, effectivement, il y a des disciplines qui sont objectivement plus à risque. On le sait, ça fait partie de nos risques. Le cyclisme, par exemple, historiquement, le rugby, pour citer des disciplines qui sont connues, l'athlétisme, parce qu'il y a des telles capacités d'endurance et de force qui sont demandées qu'effectivement, le risque de dopage est plus fort. Mais je pense qu'avant tout, personne ne doit se sentir à l'abri du dopage et tout le monde doit surtout avoir à l'esprit que la prévention du dopage, ça concerne tout le monde. Moi, je retiens que tu as dit que les skieurs n'avaient pas besoin d'être endurants. Je reviendrai sur ma position à la fin. Quentin, on l'a dit en introduction, tu as été testé positif en juillet 2014 au stonozolol. On reviendra bien évidemment plus tard en détail sur ton histoire. Mais en tant qu'athlète de haut niveau, qu'est-ce qui pousse un sportif en fait, à se doper ? Ça peut être plein de choses. Pour moi, en tout cas, c'était un contexte. Un entraîneur, un groupe, l'envie de faire des performances, la jeunesse aussi, parce que j'avais 19 ans à ce moment-là. On a envie de lancer loin, on a envie d'aller aux Jeux Olympiques, on a envie de réussir. Et puis quand on évolue dans un milieu où le dopage n'est pas forcément quelque chose de mauvais, et qui est plutôt même culturel, ce qui a été le cas dans les disciplines de l'athlétisme dans les années 80-90, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais quand on a été un enfant de cette culture-là, on tombe dedans. Et moi, à la base, je pense que mes parents m'ont plutôt bien éduqué, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école. Je veux dire, je n'ai pas un paramétrage de voyou à la base. Ouais. Pourtant, je suis quand même tombé dedans. Alors Jérémy, est-ce qu'il y a des produits plus courants que d'autres qu'on retrouve assez régulièrement ? Alors effectivement, il y a des produits qui sont un peu emblématiques, comme le PO par exemple, qui ont défrayé la chronique. Mais en réalité, on a un petit peu, si j'ose dire, toutes les substances qui sont interdites et qu'on retrouve dans les échantillons de certains sportifs. Il n'y a pas de podium particulièrement, ça peut dépendre des disciplines, ça peut dépendre de ce qu'on recherche évidemment. Si je prends les bêta-bloquants, ils ont un intérêt dans certaines disciplines, moins dans d'autres, les anabolisants également. Donc il y a quelques substances qui reviennent régulièrement, mais en réalité, si je prends l'activité d'une année, on a à peu près toutes les classes de substances dans les échantillons qu'on retrouve. Donc là encore, il n'y a pas des substances qui seraient dopantes et qui trusteraient le podium et d'autres dont il faudrait finalement moins se méfier. Même des diurétiques, on retrouve encore des diurétiques dans les échantillons prélevés et c'est une substance interdite. Donc la vigilance même sur les substances qui paraissent finalement anodines, elle doit être maintenue parce que c'est un test positif comme un autre, même avec des diurétiques par exemple. La FLD pour laquelle tu travailles a été créée en 2006. Tu coopères bien entendu avec l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et d'autres fédérations sportives à l'international. Comment fonctionne la FLD justement dans sa lutte contre le dopage ? Alors la FLD, depuis maintenant plus de 15 ans, a profondément évolué, mais comme toute la communauté antidopage finalement. Au début, en 2006, par exemple, l'ITA n'existait pas. Donc c'était les fédérations internationales qui assuraient elles-mêmes l'organisation antidopage pour les sportifs de très haut niveau. Aujourd'hui, on a une agence de contrôle international, l'ITA, qui, pour une cinquantaine de fédérations internationales, assure le programme antidopage. Donc ça a profondément évolué à l'international. L'agence, elle a suivi le même parcours finalement. Au début, c'était avant tout des contrôles antidopage. C'est ce qui souvent résume un peu, aux yeux du grand public, l'antidopage. Puis progressivement, on a eu d'autres outils, le passeport biologique, l'investigation. Donc on a des nouvelles équipes qui sont arrivées. Et puis au bout d'un moment, il y a quand même eu ce constat que le premier instrument pour lutter contre le dopage, c'est la prévention, c'est l'éducation. Et donc à nouveau des équipes qui sont arrivées. Et donc aujourd'hui, on a finalement des métiers très différents à l'agence. On a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent pour l'agence française. Et on a des métiers qui vont de juristes, qui vont avoir la partie disciplinaire, la partie sanction, hein, qui est aussi un métier de l'agence, des coordinateurs antidopage, des préleveurs permanents qui vont assurer la partie contrôle, des investigateurs avec les nouvelles prérogatives d'enquête, mais aussi des personnes dans l'agence pour l'éducation antidopage ou à l'extérieur de l'agence, comme Anne par exemple,
les éducateurs antidopage, qui sont des personnes formées à l'extérieur de l'agence. C'est important de préciser que vous êtes du coup très indépendant des fédés, comme tu l'expliquais pour l'international. Absolument. L'ITA est très indépendant des fédés internationales. De la même manière que les fédérations internationales, beaucoup en tout cas, de plus en plus, ont fait le choix de déléguer une partie ou toute l'intégralité du programme antidopage, soit à l'ITA, soit à une unité propre à la discipline, comme l'athlétisme par exemple. Au niveau des États, en 2006, la plupart des États se sont dotés dès 2006 d'une agence nationale indépendante. Alors, quand on dit indépendante, ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que le choix des sportifs qui seront testés, le choix des sanctions qui seront prononcées relève intégralement de l'agence. Je n'ai aucun coup de fil d'un ministère, d'une fédération sportive pour me demander de la clémence ou de la dureté vis-à-vis d'un sportif. On ne répond à personne des choix qu'on fait sur le programme antidopage. Et ça, c'est important. Alors, ceux qui ont un rôle primordial, évidemment, dans cette lutte contre le dopage, ce sont les préleveurs. Et notre reporter, justement, Thomas Micot, était présent au séminaire des préleveurs de l'AFLD à l'INSEP fin novembre 2022. Regardez. Ils font partie intégrante du mouvement sportif, mais sont quasiment invisibles. Pourtant, il suffit de se rendre sur le site de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, pour découvrir à la rubrique « Décisions disciplinaires » toute leur utilité. Le moteur essentiel de l'agence, ce sont les préleveurs. Ils sont aujourd'hui 125 vacataires pour 3 permanents à assurer un peu plus de 10 000 prélèvements par an. Fin novembre, ils étaient tous réunis à l'INSEP pour une formation continue. Je fais partie des 3 préleveurs permanents de l'agence. C'est quasiment une mission tous les 2 jours, tous les 3 jours selon la période de l'année ou tous les jours des fois. Et pour être efficace, l'AFLD se doit de cibler ses contrôles vers le haut niveau d'abord. Certaines disciplines sont également plus contrôlées que d'autres. Nous, on fait une étude de risque qui s'appelle comme ça tous les années où on fait un classement de sports qui sont plus à risque, disciplines plus à risque. Et après, on sélectionne des sportives que nous, on juge intéressants à mettre dans notre ce qui s'appelle groupe cible ou groupe de contrôle. Une fois les disciplines à risque et les sportifs ciblés, reste à déterminer le moment opportun pour effectuer les contrôles. Aujourd'hui, environ 2/3 s'effectuent hors compétition de manière inopinée. C'est un des points, on va dire, plus compliqués de la lutte antidopage, c'est de démasquer les périodes propices. Ça veut dire quand c'est vraiment le moment qu'il athlète, il peut utiliser des substances pour améliorer sa performance. Ça dépend aussi du sport, ça dépend de la carrière de l'athlète. Par exemple, si un athlète a comme objectif un marathon qui se fait le mois d'avril, on doit commencer à le tester, par exemple, au début d'année. C'est tout, on doit vraiment découvrir cette période propice. Et c'est vraiment une partie compliquée de notre travail. Ce qui est intéressant dans ce point de vue-là, c'est les tests hors compétition qu'on fait, par exemple, au domicile de l'athlète. Pour cibler encore un peu plus ces contrôles, l'AFLD dispose également d'un département d'enquête qui collecte les signalements, des renseignements qui peuvent être également recueillis sur le site de l'AFLD. En 2023, l'Agence française de lutte contre le dopage vise 12 000 contrôles. C'est 2 000 de plus qu'en 2022. Alors du coup, ça m'amène à tout un tas de nouvelles questions, évidemment. Mais la première, c'est... comment on devient préleveur finalement ? Est-ce qu'il faut être médecin ? Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières ? Non, alors effectivement, l'éventail est assez large. On a différents publics qui peuvent devenir préleveurs. Il y a une liste, mais qui est quand même assez importante. On va dire la partie professionnelle de santé, médecin, mais aussi de plus en plus infirmiers, techniciens de laboratoire, etc. Donc plusieurs professionnels de santé ou professions de santé qui peuvent prétendre à être préleveurs et qui vont notamment avoir la capacité de faire non seulement les prélèvements urinaires, mais aussi sanguins, puisque ce sont des professionnels souvent de santé. Souvent, ils viennent en binôme, parfois, d'ailleurs. Parfois, ils viennent en binôme, effectivement. Et on peut avoir dans les préleveurs non seulement ces professionnels de santé, mais aussi un autre type de préleveurs qui viennent plutôt des services de police et aux unités de gendarmerie, qui sont des officiers de police judiciaire et qui viennent de cette voie-là, ou qui travaillent dans les organisations nationales antidopage. Donc, pour leur part, ils ne pourront pas effectuer des prélèvements sanguins, mais ils pourront surveiller la miction urinaire. Donc en fait, on a des profils assez différents entre un policier, un médecin, un infirmier, un kinésithérapeute, par exemple. Des profils très variés dans nos préleveurs aujourd'hui, et ça vaut en France comme à l'international.
Et alors, le lundi matin à la FLD, vous vous réunissez en petit comité et vous faites une réunion pour vous dire, alors donc, on va aller contrôler telle personne. Enfin, comment ça fonctionne? Comment vous organisez alors, tout ça? C'est effectivement ce qu'expliquait très bien Francesca, qui est notre directrice des contrôles à l'agence. C'est un travail qui ne doit rien au hasard. C'est-à-dire l'époque où, finalement, on avait un petit chapeau avec des petits papiers où on tirait au sort. C'était les premiers âges de l'antidopage. Beaucoup pensent encore que ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, ça a totalement changé. On part de l'analyse des risques en début d'année, c'est-à-dire de se dire, quelles sont les disciplines à risque, quel est l'historique de dopage, quel est le renseignement qu'on a à travers les enquêtes. Et donc, on distribue un nombre d'échantillons selon les disciplines en fonction des risques. Donc, c'est objectif. Et ensuite, au sein de la discipline, on commence à distribuer en fonction des risques sur des athlètes, des risques objectifs aussi, simplement parce que les athlètes sont bons, en fait. Le fait d'avoir de la performance, c'est un critère parce qu'il faut certifier la performance. Et ensuite, c'est le travail de toute l'année, de tous les jours, en fonction de la période, comme l'expliquait aussi Francesca, effectivement, quelle est la période de préparation, quelle est la période de compétition. Et là, c'est le savoir-faire de nos coordinateurs antidopage. On est une équipe de quelques coordinateurs qui ont des portefeuilles de sport, donc qui suivent comme des passionnés le sport, qui le connaissent très bien, qui suivent les compétitions, qui suivent les résultats et qui vont dire, à ce moment-là, il faut mettre une attention particulière sur tel sport et sur tel sportif parce qu'il est en train de préparer tel championnat, parce qu'on sait qu'il se prépare pour telle compétition. Et c'est normal, il est dans une phase où le risque de dopage peut être présent et donc il faut nous assurer que ce risque n'advient pas. Donc c'est vraiment au quotidien, nos coordinateurs de dopage qui échangent, qui voient les calendriers sportifs aussi. Donc parfois, au dernier moment, ils vont changer un contrôle parce que finalement, il n'est plus pertinent ou à l'inverse, il devient pertinent. On a aussi un autre type de contrôle, plus rare, mais qui existe de plus en plus, avec du ciblage à partir de renseignements. On a une information, on a un renseignement qui vient d'une personne qui porte ce fait à notre connaissance, et c'est important, il faut le dire, hein, ce n'est pas être un délateur que de le dire, c'est participer à un combat pour le sport propre, que de faire remonter ce type d'information, ou alors de l'information avec des services de renseignement, hein, on coopère avec les douanes, avec d'autres services de police, et là, effectivement, c'est un contrôle rare, mais néanmoins beaucoup plus spectaculaire, parce qu'il va être ciblé en fonction de renseignements antidopage. Quentin, est-ce que toi, tu es sur le logiciel ADAMS? Est-ce que tu vois la différence, par exemple, en termes de nombre de contrôles entre des championnats d'Europe, des championnats du monde? Ah oui, je suis sur ADAMS, qui est un bon système d'ailleurs pour se localiser. Suivant les années, oui, j'ai eu plus ou moins de contrôles, effectivement. Je sais que quand je suis revenu à la compétition en 2016-17, ben j'en ai eu un peu plus, ce qui était normal. Et puis ensuite, j'en ai eu un peu moins. Puis j'ai fait ma médaille mondiale et j'en ai eu un peu plus. Voilà, c'est... Je pense que ça fait partie du sport aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des athlètes qui râlent de se faire contrôler le matin chez eux, de se faire réveiller. Mais je trouve que pour un athlète propre, aujourd'hui, se faire contrôler, c'est un peu comme montrer patte blanche. C'est montrer son passeport en disant « Moi, je suis content de me faire contrôler. J'ai pas de soucis. » Donc, je trouve que c'est vraiment preuve de bonne foi de dire « Ok, c'est normal. » Non seulement, ça fait partie de notre métier aujourd'hui, mais aussi, c'est rassurant pour nous, quelque part. C'est pas contraignant. Ouais. Alors oui, ça peut être... Si, bien sûr, se faire réveiller à 7h du matin, bien sûr que c'est contraignant. Moi, en plus, je me suis fait opérer il y a 2 semaines. Le lendemain de l'opération, je me suis fait contrôler. Je peux vous dire que c'était incroyable, compliqué. Mais c'est comme ça. Alors oui, c'est contraignant, mais quelque part, ça fait partie du jeu et c'est bien pour nous, quoi. Anne, tu dois en voir passer un paquet de préleveurs à l'INSEP. Alors, il est vrai que dans notre établissement qui accueille plus de 20 fédérations sportives, donc une grande concentration de sportifs de haut niveau, c'est quasi quotidien en fait, les venues de contrôleurs, week-end inclus, jours fériés inclus, voilà, c'est un rythme auquel on est habitué et auquel finalement les sportifs aussi s'habituent. Il faut être prêt à les recevoir parce que sinon c'est nos shows. S'ils venaient à se présenter aux portes de l'établissement mais qu'en fait personne ne leur ouvre, c'est le sportif qui trinquerait. Exactement, du coup on a une organisation qui permet cet accueil en continu 7 jours sur 7 tout au long de l'année. On a même signé une convention avec la FLD pour une bonne organisation de tous ces contrôles et surtout pour que nos sportifs ne soient pas pénalisés à ce niveau-là dans notre grand établissement puisqu'on a au quotidien plus de 400 sportifs internes, on en a qui passent en journée, donc il faut vraiment être très rigoureux sur cette organisation. Alors justement, sur ces 400 athlètes internes, il y a forcément des mineurs. Comment ça fonctionne avec les mineurs? Est-ce qu'on peut prélever un mineur? Est-ce qu'il faut demander des autorisations à certains? Enfin, je me tourne du coup vers tous les deux. Anne, je t'en prie, donne-nous ta version. Alors nous, au niveau des mineurs, effectivement, les mineurs peuvent être contrôlés. Il n'y a pas de différenciation entre mineurs et majeurs. Par contre, il y a tout un cadre réglementaire autour du prélèvement, puisque
Vous n'êtes pas sans savoir que dans la partie contrôle antidopage, il y a une partie d'observation de la miction du mineur, et donc où le mineur est tout seul avec son préleveur. Il peut être également accompagné d'une tierce personne qui va vérifier. Observation de la miction, on te regarde pendant que tu fais pipi. Non, mais je précise parce que c'est quand même un truc qu'il faut le faire, mais il faut le dire, observation de la miction. C'est quand même très particulier. J'ai des souvenirs à ne pas réussir à faire pipi parce que je ne sais pas, ce jour-là, je suis mal à l'aise. Et la nénette en train de ouvrir le robinet d'eau pour faire couler qu'il y a un peu de bruit. Enfin, c'est pas vrai. Tu peux avoir tes règles ce jour-là. Enfin, des fois, c'est quand même pas super funky comme truc. Donc, exactement. Donc, c'est vrai que pour un mineur, c'est d'autant plus compliqué. Voilà. Et donc, du coup, il y a tout ce cadre réglementaire qui va passer par des autorisations signées par les parents, par les familles, le responsable légal, qui seront transmises à la fédération. Toute une organisation, mais je pense que Jérémy pourra compléter. Et c'est aussi pour ça... à l'INSEP qu'on a décidé de former nos sportifs dès leur arrivée, dès leur plus jeune âge. Quentin disait tout à l'heure que lui, à 19 ans, il y a eu un gros problème. Nous, c'est ce qui nous a aussi incité à déployer tout notre programme en fait, d'éducation à l'antidopage et entre autres à expliquer le contrôle très concrètement pour que ces moments un peu gênants, comme tu disais Marie, soient anticipés et qu'il n'y ait plus ce blocage, même si ça reste encore particulier à vivre, mais au moins ils savent à quoi s'en tenir. Ouais. Alors puisqu'on parle des préleveurs, des prélèvements et des préleveurs, l'ITA, Sophie, pour laquelle tu travailles, cherche à recruter de nouveaux préleveurs en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, et ce n'est pas une mince affaire. Tout à fait. Nous recrutons des préleveurs assermentés pour justement compléter le pool déjà des préleveurs français qui participeront donc au programme antidopage des Jeux Olympiques de Paris 2024. En général, ce que fait l'ITA, c'est vraiment d'aider le comité d'organisation et l'Agence nationale antidopage, l'AFLD, en France à recruter ce personnel pour le prélèvement d'échantillons. Et ce que l'ITA fait aussi, c'est de former et de certifier donc le personnel de prélèvement d'échantillons via le programme qu'on appelle IDCO de l'ITA, dont le but est vraiment de standardiser les procédures de prélèvement d'échantillons et d'accroître l'efficacité et la qualité des contrôles dans leur ensemble. Alors pour qu'on sache de quoi on parle de 6000 tests à peu près sur une année pour la FLD. Et vous allez quasiment devoir faire la même chose pour les Jeux, c'est ça ? Exactement. Donc, bon, on n'a pas les chiffres exacts, mais si on prend les chiffres de Tokyo, il y avait 5000 tests qui avaient été effectués. C'est à peu près, enfin, je crois que c'était plus de 6000 échantillons prélevés en l'espace de quelques semaines. L'ITA a notamment lancé sur LinkedIn un appel pour proposer en avril 2023 une formation de 3 jours au siège du COJO, du comité d'organisation des Jeux Olympiques, pour recruter 60 nouveaux préleveurs. Comment ça se présente ? Ça se présente très très bien. On a eu énormément de demandes, donc on est vraiment ravis. Donc ça se fera fin avril effectivement dans les bureaux de Paris 2024, et c'est justement l'aide dont je parlais tout à l'heure pour augmenter le pool de préleveurs de la FLD déjà existant et de recruter au maximum des préleveurs locaux. Et là, à ce moment-là, vous travaillez main dans la main avec la FLD? Une collaboration permanente qui a commencé déjà il y a quelques temps, donc avec Jérémy et toute l'équipe de la FLD, notamment pour le recrutement du personnel, mais aussi pour tous les aspects logistiques et opérationnels du programme. Alors Jérémy, que risquent les athlètes en cas de contrôle positif et pourquoi ce sont les athlètes qui sont mis en cause et pas forcément ceux qui conseillent ou donnent les produits ? Alors c'est une vraie question de savoir qui peut être sanctionné à la fin en cas de violation des règles antidopage. Alors déjà, il faut rappeler que le fait de se soustraire à un contrôle, ou en tout cas de gêner un contrôle, est en soi une violation des règles antidopage. Hein. Donc on peut encourir jusqu'à 4 ans de suspension sportive. Il faut le rappeler parce que parfois, certains sportifs n'en ont pas à l'esprit. Quitter un lieu de contrôle, par exemple, c'est une violation des règles antidopage. Ensuite, une fois que le test est analysé, il part au laboratoire antidopage français pour la FLD, par exemple. Et si jamais il y a un test positif, ce qu'on appelle un peu dans le jargon antidopage un résultat d'analyse anormale, un RAA, à ce moment-là, l'agence française de lutte contre le dopage est informée si c'est elle qui a diligenté le contrôle. Là, les sanctions peuvent varier en fonction de la substance. Toute substance ne donne pas lieu à la même sanction.
Pour faire simple, les substances les plus lourdes, ce qu'on appelle les non spécifiées, c'est-à-dire véritablement les substances dont la visée dopante fait peu de doute. Je pense à l'EPO, par exemple. C'est la prise d'une substance qui peut faire encourir jusqu'à 4 ans de suspension sportive, voire plus, en fonction de circonstances aggravantes. On peut aller jusqu'à 5 ou 6 ans. Ça nous arrive à la FLD de prononcer ce type de suspension. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est quand même souvent les athlètes qui trinquent et très rarement les médecins ou les gens qui organisent ce genre de effectivement, de c'est la seconde question. C'est une fois que le sportif lui-même qui est responsable de la substance qui est dans son organisme, que fait-on après? Et je pense qu'on est en train de vivre depuis ces années une sorte d'étage supplémentaire, de nouveau cap dans la lutte antidopage. C'est-à-dire s'intéresser aux sportifs, c'est une chose qui est bien, mais il faut s'intéresser aussi aux entourages, qui peuvent être d'ailleurs assez divers. Entourage médical, entourage sportif, proche, entourage familial, amical, parfois un peu aussi combiné, ce qui ne favorise pas forcément la bonne compréhension du système pour une agence antidopage, comprendre qui fait quoi exactement. Dans ce cas-là, on a de nouveaux outils. Parce que les sanctions, elles existent depuis l'origine. Officiellement, une personne qui est complice, par exemple, de la violation de règles antidopage encourt des sanctions. Le problème, c'était établir la preuve. Parce que quand vous avez un test positif, c'est, j'allais dire, relativement simple, entre guillemets, en tout cas, la preuve est là. Ensuite, établir qu'un médecin, par exemple, non seulement n'a pas fait une erreur de prescription, mais vraiment a incité, a expliqué, voire a donné un mode d'emploi, qu'un coach a poussé, voire carrément incité, voire au détriment du sportif ou à son insu, là, c'est établir la preuve. Et la preuve, elle ne vient pas d'un test de laboratoire par définition. Et c'est pour ça qu'en 2021, nous avons sollicité, nous avons obtenu des prérogatives d'enquête, parce qu'il faut pouvoir enquêter sur les entourages. Quand on a un test positif, et Sophie pourra le confirmer, parce que c'est la même chose que TITA, quand on part d'un test positif, il faut faire de l'investigation autour du test positif. Il faut s'intéresser aux entourages. Alors, vous allez me dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On peut collecter beaucoup d'informations. On parlait d'Adams tout à l'heure. Adams donne beaucoup d'informations. Sur les PV de contrôle, on déclare le médecin, on déclare l'entraîneur, on peut faire des recoupements pour s'assurer que, bizarrement, on n'a pas toujours des mêmes personnes qui arrivent sur des PV de contrôle positifs. On peut aussi également ouvrir des enquêtes. Maintenant, à l'agence, nous avons le pouvoir de demander beaucoup de documents. Je vais vous donner un exemple, des relevés bancaires, par exemple. Okay. Des preuves de transport, avion, taxi, etc. Tout ça pour essayer de cerner qui aurait pu participer, voire même inciter carrément, à un fait de dopage. Et c'est le début, il faut être honnête. Hein. On est en train de franchir une nouvelle étape, c'est le début, mais surtout pour casser l'idée que finalement, au final, c'est le sportif qui trinque et les autres peuvent se replier sur éventuellement d'autres sportifs et continuer leurs agissements. Et par contre, tant que l'enquête est éventuellement en cours, le sportif, est-ce qu'il a le droit de continuer sa pratique ou pas du tout? Alors, ça va dépendre typiquement des substances. Pour certaines substances les plus lourdes que j'évoquais, la suspension provisoire, elle est automatique. Okay. Pour de l'EPO, par exemple. C'est-à-dire que dans l'attente de la procédure disciplinaire, le sportif est tout de suite écarté du milieu sportif. Oui, j'imagine qu'il y a certaines enquêtes qui sont faites aussi sans que l'athlète soit au courant. Et il y a également, en parallèle d'une suspension provisoire, par exemple, sur un sportif, on peut très bien mener une enquête pour dire très bien, au-delà de la procédure disciplinaire du sportif qui va amener une sanction, tout de suite intéressons-nous à y a-t-il un entraîneur, y a-t-il un agent, y a-t-il un médecin qui, autour, va inciter. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Les faux certificats médicaux, ça arrive encore, les fausses ordonnances par exemple. Je veux me dédouaner d'une substance dopante trouvée dans mon échantillon, je vais produire un certificat médical pour essayer d'expliquer que c'est dans un contexte médical. Ça arrive encore. Classique. On fait des vérifications aussi simples. Il y a un mot des parents. Ouais, voilà, on fait des vérifications aussi simples par exemple que est-ce que le médecin existe par exemple. Voir est-ce que le médecin connaît bien ce patient. On est parfois étonné des réponses négatives. En fait, je n'ai jamais délivré cette ordonnance. Parfois, c'est le certificat lui-même qui est faux. On s'en rend compte avec une bonne coopération avec d'autres organisations antidopage à l'étranger, par exemple, qui vont aller vérifier sur place, à l'hôpital, par exemple. Est-ce que le médecin existe? Est-ce qu'il, ce jour-là, il a prescrit? Ah non, il était absent, par exemple. On a des cas très concrets. Ouais, ça doit être très chronophage. Alors, j'ai quelques chiffres pour amener au débat. L'an dernier, 0,82% des contrôles urinaires effectués par la FLD se sont avérés être anormaux. Et notamment, il y a certains sports qui sont plus dans le collimateur, à savoir le cyclisme, l'athlétisme, le football, le rugby et en ce moment, les sports de combat comme le MMA. Alors le MMA, lui, il éclate les scores. On est sur un record de 9% de cas positifs contre donc les 1,5 dans le rugby, 1 dans l'athlétisme, 0,4 même dans le football. Je me demande à quel point c'est vraiment qu'on se dope beaucoup plus dans le MMA ou qu'on est mieux capable de planquer nos dopés dans les sports où il y a un peu plus d'argent, pour parler très clairement.
Alors, pour le MMA, effectivement, il y a une particularité quand même, c'est que c'est un sport qui est récent en termes de reconnaissance officielle. Pendant longtemps, le MMA n'était pas autorisé, il n'avait été pas couvert par une fédération. Aujourd'hui, il est couvert par la fédération de boxe. Donc, si j'ose dire, c'est une discipline un peu nouvelle dans les radars de l'antidopage. Vous l'imaginez avec une prévention et une éducation antidopage qui est à des années-lumière de ce qu'on peut constater dans d'autres fédérations. Et donc, forcément, il y a un fossé à combler pour avoir ne serait-ce qu'une sensibilisation. Surtout qu'on a des combattants professionnels pour certains, qui viennent d'autres pays. C'est quand même une discipline qui fait appel à beaucoup de combattants qui viennent ponctuellement pour une compétition à Paris, qui le lendemain seront dans une autre ville d'Europe, par exemple. Donc on a un public qui n'est pas forcément bien formé, qui n'est pas forcément très sensible. Et surtout, on a du MMA qui, dans d'autres pays, n'est pas une discipline reconnue et qui donc échappe aux organisations antidopage. Il faut le dire, en France, on a une force, c'est que l'agence antidopage, elle est compétente autant pour les compétitions sportives autorisées par les fédérations, que pour toute compétition sportive, dès lors qu'il y a une remise de prix. Ça veut dire que, concrètement, l'agence française, elle peut aller sur n'importe quelle compétition sportive, y compris de MMA. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, il faut être honnête. Et donc, forcément, parfois, on a des personnes qui sont un peu surprises de nous voir arriver. C'est une bonne surprise pour nous, parce que ça veut dire qu'ils ne s'y attendaient pas. Et donc, forcément, on a un public qui, quand même, a un risque de dopage et un historique de dopage plus fort, il faut le dire. Et c'est la raison pour laquelle, cette année encore, nous allons augmenter le nombre de prélèvements sur les MMA. Et aussi, nous avons un levier. C'est que nous avons décidé que les combattants professionnels de MMA sont des sportifs de niveau national. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? C'est un simple changement de qualification? Pas du tout. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils demandent des AUT préalables lorsqu'ils ont des traitements médicaux. AUT, pardon. Autorisation d'usage des fins thérapeutiques, c'est-à-dire je veux me soigner avec une substance qui est potentiellement interdite, je demande l'autorisation et si je remplis certains critères, j'aurai le droit de prendre cette substance sans encourir ensuite un test positif. Je vais être aussi un public prioritaire dans les contrôles quand je suis sportif de niveau national. Je vais être un public prioritaire dans l'éducation aussi. Mmh. Donc, on s'adapte. Concrètement, on constate un problème en MMA. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour intensifier les efforts, contrôle, éducation. Ça montre qu'on s'évolue, c'est une matière vivante, l'antidopage. C'est typiquement ce que disait Francesca tout à l'heure. Alors, il y a une histoire qui nous a marqué. Le 31 janvier 2023, le Sénat a largement adopté le projet de loi olympique pour Paris 2024, dont un article qui prévoit des mesures de lutte contre le dopage génétique. Donc, dans l'article 3 du texte gouvernemental, il est prévu que soient autorisées des nouvelles techniques de lutte contre le dopage, et notamment des tests génétiques, et en dernier recours, je cite, « la réalisation d'analyses consistant en l'examen de caractéristiques génétiques ou en la comparaison d'empreintes génétiques des sportifs ». Donc tout cela sans phase d'expérimentation. On parle donc ici d'un dopage ayant pour but de modifier un gène pour améliorer la performance. Jérémy, Sophie aussi, déjà, est-ce que c'est possible techniquement de procéder à ce genre de contrôle? Sophie, vas-y. Alors oui, c'est possible. Ça a déjà été effectué auparavant, durant les éditions précédentes des Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Donc là, l'idée, c'était vraiment de voir si c'était applicable également pour les Jeux de Paris. Et cette loi est passée effectivement au Sénat pour nous permettre de faire des tests génétiques, justement, sur ces jeux-là. Est-ce que ça a un rapport avec l'ARN messager dont on a tant entendu parler avec les vaccins et le Covid-19? Les techniques de dopage par rapport à l'ARN messager? Jérémy, tu veux répondre? Alors, ce n'est pas directement lié, mais on voit bien à travers ces techniques-là que les techniques génétiques, je ne dirais pas, sont devenues de plus en plus accessibles, ça serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas, sont devenues plus simples qu'une serait-ce qu'il y a 10 ans. Parce qu'en soi, le dopage génétique est interdit depuis le départ. Simplement, on se rend compte que c'est peut-être plus accessible à des sportifs et surtout au niveau des jeux à des délégations nationales, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus organisé. Donc effectivement, aujourd'hui, encore hier par exemple, l'Agence mondiale antidopage a lancé un programme de recherche pour encore améliorer la détection du dopage génétique. Ce qui est compliqué sur le dopage génétique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune sanction pour des faits de dopage génétique. Pour autant, il y a déjà eu des tests, je parle sous le contrôle de Sophie, à Tokyo et à Pékin, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que ça n'existe pas. Donc, oui, parce que c'est ça que j'allais te demander, j'allais dire, est-ce qu'on aurait pu être confronté sans le savoir finalement à du dopage génétique? Est-ce qu'il y a de l'avance du côté des dopeurs? Alors, l'idée, c'est toujours qu'on réduit l'écart entre, si j'ose dire, l'avance de ceux qui tentent des nouvelles techniques, qui dévoient des techniques existantes. Hein. C'est au fond l'histoire de l'antidopage. Hein. Je dévoie l'usage d'un médicament, je dévoie l'usage thérapeutique finalement, ou génétique. C'est la même logique hein, qui est derrière. Donc, peut-être que ça existe déjà. On n'a pas encore sanctionné. Pour autant, le signal d'alerte est très fort. Et surtout, il faut être dissuasif. Si effectivement, on peut dire à Paris, comme à Tokyo et à Pékin, demain,
S'il y a un risque de dopage génétique, nous pourrons faire des analyses spécialisées au laboratoire français pour pouvoir détecter ce dopage génétique. C'est important en termes de messages envoyés, parce que je trouve, notamment en termes de dopage génétique, on ne m'enlèvera pas l'idée que si ça doit se faire, notamment dans délégation nationale, ce sont les sportifs qui seront les premiers cobayes, parce que les techniques, elles sont encore plus risquées vis-à-vis de la santé publique, notamment, que d'autres administrations de substances. Donc, il faut aussi envoyer le signal qu'on ne laissera pas faire ce genre d'expérimentation sur des sportifs, a fortiori sur des Jeux olympiques, mais même de manière générale, demain sur les compétitions internationales qui auront lieu en France et sur les compétitions nationales. On se doit de le vérifier dès maintenant, et c'était la raison pour laquelle, effectivement, la FLD comme l'ITA ont poussé à l'adoption de cette modification. Quentin, c'est une bonne chose pour toi? Est-ce qu'il faut aller aussi loin que possible vraiment pour contrer toutes les tentatives de dopage? Oui, je pense que c'est vraiment important. Alors après, au-delà de l'aspect purement performance, il ne faut pas oublier l'aspect santé, hein, parce que c'est un vrai problème. Il ne faut pas oublier que des fois, les produits pris par les sportifs sont des produits qui sont à la base pas faits du tout pour la performance, mais plutôt pour des problèmes de santé qui sont autres. Et je dirais que le haut niveau n'est pas encore trop touché, mais si on parle du dopage plutôt dans les salles de musculation, là, c'est un vrai problème de santé publique, je pense, et on n'en parle pas assez. Et c'est des gens qui peuvent se retrouver à une cinquantaine d'années à peu près avec des maladies comme des cancers, etc., liées à la prise de produits interdits. Et je pense qu'effectivement, nous, on parle surtout en termes de dopage dans le sport de haut niveau, de performance et de triche, mais il y a un vrai problème de santé publique aussi qui est, je pense, plus important dans la vie des gens que la performance en soi. Ouais. On y reviendra un tout petit peu plus tard, c'est vrai. Quentin, je te propose qu'on revienne tout de suite maintenant justement sur ton histoire. C'est parti. Alors déjà, merci d'être avec nous et d'accepter d'en parler très librement, parce que ce n'est pas du tout tabou pour toi. Tu es donc spécialiste du lancer de marteau. Et en juillet 2014, à seulement 19 ans, tu l'as dit tout à l'heure, tu es testé positif au stanozolol. C'est un stéroïde anabolisant dérivé de la testostérone. Donc ça t'arrive durant les championnats d'Europe par équipe. Comment ça s'est passé exactement? Pourquoi est-ce que toi, tu t'es dopé? Et quel a été un petit peu le processus? Bon, alors pour faire assez court, parce que bon, l'histoire est quand même assez longue. Moi, j'ai commencé le lancer du marteau à 12 ans avec un entraîneur qui avait fait deux fois les Jeux Olympiques au lancer du marteau dans les années 90. Et très tôt, j'ai su que le dopage était quelque chose de plus ou moins tabou, mais plus ou moins normal aussi dans le milieu des lancers, de l'athlétisme et des sports de force. Et puis, quand j'ai eu 18-19 ans, mon entraîneur m'a dit écoute, c'est normal si tu veux lancer loin. Il y avait des choses comme des croyances limitantes, clairement, où on me disait on ne peut pas faire plus de 76 mètres sans prendre de produits. Alors, sur quelle base scientifique, j'en sais rien, et aujourd'hui, je sais que c'est faux. Mais voilà ce qui se trimballait dans la tête des athlètes dans les années 90. Et mon entraîneur n'a pas beaucoup évolué ensuite et m'a dit il n'y a pas d'autre moyen que de se doper si tu veux aller aux Jeux Olympiques, si tu veux être bon, si tu veux performer. Puis j'avais évolué dans ce milieu-là, j'avais envie de lancer loin, et j'y ai cru en fait simplement. Je lui ai dit oui, c'est normal, tout le monde le fait, et ça peut choquer que je dise tout le monde le fait, mais c'était quasiment le cas dans ces années-là. Et lui, finalement, il m'a transmis une culture qui était peut-être sa culture, et il me l'a transmise. Sauf que dans les années où moi j'ai commencé à lancer à haut niveau, c'est-à-dire les années 2012, 13, 14, ça marchait plus comme ça le haut niveau, c'était plus normal de se doper. Sauf que moi, j'ai évolué là-dedans. Alors ensuite, je me fais contrôler positif. Pour moi, je tombe de haut parce que je me dis, mais en fait, c'est pas ça le vrai sport, c'est pas ça la vérité. Et donc, j'ai été suspendu 4 ans, 2 ans avec sursis, donc concrètement 2 ans. Et à partir de là, il a fallu que je me reconstruise. Alors au début, moi, je voulais plus du tout entendre parler de lancer de marteau ni de sport de haut niveau. Hein. J'étais vraiment dégoûté. C'est compliqué quand on a 19 ans de se faire contrôler positif et de voir sa tête dans les journaux tous les jours, et parce qu'il y avait quand même une affaire judiciaire derrière, etc. C'était très lourd. Hein. Moi, j'étais sous antidépresseur pendant très longtemps. Et moi, ce que je regrette à ce moment-là, c'est que finalement, il n'y a pas eu de suivi réel. Moi, je me souviens de nombreux mails que j'ai dû envoyer à la FLD pendant ma période de suspension, pour demander d'être contrôlé, pour montrer patte blanche. J'ai jamais eu aucun retour, ni de ma fédération d'ailleurs.
Fédération française d'athlétisme, qui d'ailleurs, c'était elle qui m'avait jugé à l'époque, donc c'était assez marrant, jugé parti. Aujourd'hui, ça a évolué, c'est très bien, mais à l'époque, c'était la Fédé d'athlètes qui m'avait jugé. Et voilà, donc la période de suspension était très compliquée pour moi, et si je n'étais pas tombé sur des personnes qui voulaient mon bien, c'est-à-dire des gens qui m'ont dit « Écoute, toutes les croyances que tu as eues sur le dopage, c'est faux, tu peux réussir sans », mais je ne sais pas ce que je serais devenu, en fait. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui vont en prison, des prisonniers qui font des crimes, on les aide à se réinsérer dans la société, on les aide à la sortie de prison pour trouver un travail, se réinsérer normalement. Et les athlètes de haut niveau qui sont contrôlés positifs, bon, on les met clairement sous le tapis et puis on ne s'en occupe pas trop. Mmh. Moi, pas de nouvelles de la Fédé ni de la FLD, ni de personne pendant 2 ans. J'ai dû... Parce qu'avant de reprendre la compétition, j'ai dû avoir 3 contrôles antidopage obligatoires. J'ai dû réellement pleurer pour les avoir. C'était très compliqué. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un effort à se faire de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que souvent, on se dit tricheur un jour, tricheur toujours. Alors peut-être, pourquoi pas ? Mais moi, je pars du principe qu'on peut changer. En tout cas, moi, je sais que j'ai changé parce que j'ai été accompagné par des personnes qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait stopper ces croyances que j'avais sur le dopage. Ça a été très dur. J'ai dû voir des psychologues, etc. J'ai rencontré mon nouvel entraîneur, Pierre-Jean Vazel, qui m'a beaucoup aidé là-dessus aussi, qui m'a fait croire en moi et pas croire en mes performances par le dopage. Mais quelque part, quand on se dope, c'est un peu comme une maladie. Moi, je le compare à une maladie, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi et quelque chose qui ne va pas en soi. Oui, parce que dans l'idée, tu t'es dopé, pardon, je te coupe, Quentin, mais tu t'es dopé parce que tu voulais être le meilleur ou parce que tu courais après une performance, un nombre de mètres c'était quoi l'idée? Ouais. Plutôt une performance, un nombre de mètres. Et puis c'était quelque chose que de normal. C'était un passage obligatoire que de passer par la case dopage pour lancer plus loin. Et tu n'avais aucune crainte d'être contrôlé à ce moment-là? Mais alors, incroyable, mais pas du tout. Ah ouais. Les seuls contrôles que j'avais à l'époque, c'était en compétition. Il y avait très peu de contrôles antidopage inopinés. Et bref, vraiment très important pour moi, je voulais revenir sur l'accompagnement. C'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui a une croyance très dure, qui se dit pour réussir il faut se doper, il n'y a pas d'autre choix, etc. Mais qu'est-ce que le mec il va faire pendant 2 ans de sa suspension? Il va ruminer ça en disant de toute façon pour réussir il faut se doper, pour réussir il faut se doper. Eh ben, il aura quand même beaucoup plus de chances de se redoper pour revenir à la compétition. Alors que si derrière, quand le gars se fait contrôler positif, au lieu de le laisser sous le tapis pendant 2 ans ou 4 ans, si on l'aide à se réinsérer, si on l'oblige à voir des psychologues, si on le rééduque. Et pourquoi pas ce gars-là revenir, ben, comme je l'ai fait, revenir à la compétition proprement. Et c'est pour ça que j'en parle librement aujourd'hui de toute mon histoire, parce que j'espère que ça pourra peut-être servir. Alors, du coup, je fais le parallèle sur l'éducation, parce que je pense que c'est le seul levier aujourd'hui pour empêcher des athlètes de se doper. Quand on est dans le contrôle antidopage, on est déjà dans le répressif pour moi. C'est-à-dire que c'est un peu la chasse et on essaie d'aller contrôler des sportifs qui se dopent déjà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter que des athlètes se dopent? Mais je ne trouve pas grand-chose, malheureusement. Parce que quand je questionne des athlètes plus jeunes que moi, des cadets, juniors, quasiment aucun ont eu des colloques de lutte contre le dopage ou des choses comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Moi, le nombre de fois où j'ai proposé à ma fédération d'intervenir pour parler auprès des jeunes, bah, j'ai eu très, très peu de réponses et je l'ai fait très peu. Alors moi, je l'ai fait localement au niveau de mon club, au niveau de mon département. Mais je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'en parler, c'est libérer la parole. Tu as raison, bien sûr. Enlever le tabou. Surtout qu'aujourd'hui, Quentin, tes résultats sont meilleurs que lorsque tu te dopais. Alors, je me demande quand même plusieurs choses. Je me demande si finalement, ça ne sert à rien de se doper puisque tu es capable de faire mieux aujourd'hui que lorsque tu prenais des produits. Mais je me demande aussi si c'est possible que les produits que tu aies pris à une certaine époque aient un effet sur tes résultats d'aujourd'hui. Ah oui, bah alors ça, on parle très souvent de la mémoire musculaire. Alors en réalité, moi à l'époque, à l'entraînement, en me dopant, j'avais fait 82 mètres au marteau de 7,2 kg. Et aujourd'hui, j'ai fait 80 mètres 55, c'est mon record. Donc j'ai toujours pas récupéré mon vrai niveau. D'accord. Voilà. Donc, et puis bon, mémoire musculaire, moi je veux dire, quand j'étais sous antidépresseur là, après ma suspension pendant 6 mois, j'ai perdu 20 kilos, je mangeais rien. Quand j'ai repris le marteau, je l'ai lancé à plus de 20 mètres de mon record. Hein. Et j'ai mis 8 ans pour refaire 80 mètres. Donc la mémoire musculaire, non. Très bien, très bien.
Alors, justement, tu en parlais très bien de cette prévention. Pendant ce temps-là, pendant ces 2 années de suspension, tu y as beaucoup réfléchi. Tu fais encore de la prévention, justement, aujourd'hui, notamment auprès des jeunes athlètes. On en parle tout de suite. Il y a du dopage chez les jeunes sportifs de haut niveau français, mais également dans le sport amateur. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, cette pratique concernerait entre 3 à 5% des jeunes compétiteurs, c'est-à-dire environ 220 000 jeunes licenciés. Anne, donc toi qui es responsable de l'unité internat des mineurs de l'INSEP, quelle part elle a justement là, cette prévention auprès des jeunes dans ton métier ? Alors pour nous, c'est fondamental, que ce soit sur la thématique de l'antidopage ou sur d'autres thématiques. Moi, vraiment, ça me tient à cœur de passer tous ces messages de prévention. Quentin nous a bien expliqué les conséquences d'un comportement inadapté. Quand les jeunes arrivent à l'INSEP, ils ont 13 ans, 14 ans, ils sont en construction, ils ont tout approuvé et c'est juste normal qu'on leur apporte les informations, qu'on les sensibilise, qu'on pointe là où il faut pointer pour que derrière, il y ait toute cette prise de conscience, cette responsabilisation du sportif sur ses droits, sur ses devoirs, sur ses responsabilités dans un monde où effectivement il y a de la course à la perf, il y a une envie d'être toujours excellent dans ce qu'on fait. Il y a une question de santé aussi, Quentin nous en a parlé. C'est vraiment pour nous fondamental d'axer nos actions sur avant le contrôle et sur comment générer des comportements respectueux des règles de soi-même, parce que en fait c'est hyper important pour que le sportif comprenne que avant tout c'est lui qui est exposé à ce genre de choses. Donc voilà pourquoi nous on développe un programme sur beaucoup de thématiques et en particulier sur la lutte antidopage. Alors en quelques mots concrètement, ça qu'est-ce que ça donne ? Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des actions très concrètes et qui sont soutenues par justement le programme d'éducation de la FLD qui s'est structuré depuis deux ans. Nous, on a commencé à l'INSEP à se mobiliser sur le sujet bien avant, avec des difficultés de trouver des intervenants formés qui avaient un langage homogène, adapté aussi à l'âge des pratiquants. Et donc, depuis que la FLD a structuré son programme, nous sommes maintenant plus de 5 personnels de l'INSEP à avoir été formés, à avoir été certifiés éducateurs. Et nous sommes très fiers d'être éducateurs. Je vous montre notre joli petit t-shirt lorsque nous intervenons. Je ne sais pas où est la caméra, mais voilà. C'est bien. Avec notre panoplie, notre t-shirt d'éducateur. Ça donne du crédit à nos actions. On se sent légitime pour intervenir. Et derrière, le message est également homogène à tous les niveaux des pratiquants, puisque des référentiels d'intervention ont été créés en concertation avec les sportifs, avec les professionnels, et ont abouti à, je montre encore à la caméra, des référentiels avec un cadre d'apprentissage commun à tous les éducateurs qui nous permettent de décliner des ateliers. Concrètement, Marie, c'est quoi un atelier ? On va partir de la problématique, soit des sportifs qui nous ont porté à notre connaissance une problématique, soit de l'entraîneur, soit de l'encadrement, soit nous, INSEP, on se dit, là, ce serait quand même bien qu'on intervienne sur les compléments alimentaires, les risques liés à la prise de compléments alimentaires, les contrôles antidopage. On se rend compte en questionnant nos sportifs que quand ils arrivent, ben, en fait, ils ne savent pas ce que c'est que le contrôle antidopage, comment ça se déroule, leurs droits, leurs responsabilités. Donc là, on construit des petits ateliers. Alors, ce n'est plus des ateliers descendants où on met tout le monde dans l'amphi et on va prêcher, faire la grand-messe, hein, parce que ça, on voit que ça ne marche pas très, très bien, à part sur quelques-uns. Et donc, on va construire avec nous, notre petite équipe, et avec le soutien
de la section éducation de la FLD, des séances interactives, on utilise les nouveaux outils, les petits quiz sur téléphone, on fait des petits défis, on met les jeunes par équipe, ils doivent répondre aux questions. Est-ce que vous partez de l'actualité? Est-ce que des fois vous prenez des cas concrets alors, de ce qu'on entend et de ce qu'ils voient sur les réseaux, dans les médias? Nous, on s'est rendu compte, et c'est un principe dans l'apprentissage et dans l'éducation, si on ne part pas du terrain de ce que vivent les gens, il reste quelques pourcents de ce qu'on va dire. Donc, dans le sport de haut niveau, le temps est compté. Il faut vraiment être efficace. Donc, les séances, elles sont pas très longues. Par contre, elles sont centrées sur les besoins, sur l'actualité, sur la vie réelle du sportif. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui va se passer? On présente aussi les flacons pour les prélèvements. Voilà, on familiarise en fait le sportif à ce qui l'attend. Dans le cadre de sa professionnalisation et de sa montée en fait en performance. Ça t'est déjà arrivé qu'un sportif vienne te voir en te disant est-ce que Anne ce produit il est dopant Oui, alors c'est vraiment là où je me dis que c'est vraiment un axe important. Très récemment, on a fait une séance spécifiquement sur la prise de médicaments, l'automédication, parce qu'il y a aussi des sportifs, si on les prévient pas. Ils vont prendre leur petite goutte pour le nez quand ils sont à la maison parce qu'ils ont un petit nez qui coule. Derrière, le médicament contient des substances dopantes. Et là, c'est la panique à bord derrière au niveau d'un contrôle. Donc, on leur explique où trouver la liste, où vérifier que le médicament… Alors justement, on la trouve où cette liste? On la trouve où cette liste? Alors, il y a deux types. Il y a sur l'AMA, on va trouver… la liste, et puis sur l'Agence française aussi, sur le site qui est très précieux, qui est très bien fait, on va trouver la liste des produits. On va aussi avoir un moteur de recherche sur les médicaments. Et là, on tape le moteur de recherche français, on tape le nom du médicament et tout de suite, on sait s'il y a problème ou pas en le prenant. Et c'est ces réflexes-là que les sportifs doivent avoir, mais en permanence, en tête. C'est une façon de vivre. Être sportif de niveau, c'est une façon de vivre. Très clairement. Il faut faire avec. Anne, c'était déjà notre maman à l'époque. Là, c'est réponse. Et donc derrière, il m'arrive de recevoir des petits SMS le soir. Anne, j'ai mal à la gorge, j'ai des pastilles dans ma pharmacie. Est-ce que je peux prendre? Donc premier réflexe, c'est pas moi qui vais faire la réponse. C'est de dire, va chercher sur le moteur de recherche et si tu veux, on vérifie ensemble si on est raccord. Sur si tu peux prendre ou pas prendre. Exactement, c'est très important, très important. Autonomiser le sportif aussi, c'est ultra important. Quentin, j'ai une petite question pour toi, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu sens que le regard a changé sur toi quand tu fais ta médaille en 2019 notamment? Est-ce que tu as encore des réflexions gênantes est-ce qu'il y a encore des réflexions à ton égard? Bien sûr, et ça je sais très bien que je les porterai sur moi jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça, ça fait partie des choses. Il y a des gens qui sont très obtus et qui disent bah voilà, un athlète qui a dopé un jour, c'est un tricheur toujours. Et bah malheureusement, même si bon, en en parlant comme ça, comme je le fais souvent, ça aide à faire changer les points de vue. Mais je sais que quelque part, je serai toujours marqué à vie par cette histoire. Donc au lieu de ne pas en parler, de me planquer dans mon trou et puis parce que quelque part, ça fait mal hein, de se faire insulter tout le temps comme ça. Ce n'est pas évident. Je préfère en faire une force et puis m'en servir comme aujourd'hui avec vous et en parler et me dire que peut-être qu'en en parlant à des jeunes, des fois, en leur racontant mon histoire, ça les évitera de tomber dans ce danger-là. Et puis, si j'ai réussi, je suis content. Mais moi, je sais qu'effectivement, je suis marqué maintenant en vie. C'est comme ça. Et vis-à-vis de tes coéquipiers en équipe de France, justement, est-ce qu'ils te posent des questions pas forcément malveillantes, mais C'est déjà arrivé. Moi, je réponds vraiment sans tabou. Après, y a eu des périodes. Le temps fait son effet aussi. Et puis, les gens voient que aujourd'hui, je ne suis plus la même personne qu'il y a une dizaine d'années. Et ça joue aussi beaucoup. Donc, des gens qui ne me parlaient pas avant me parlent maintenant. Et ça fait du bien. Et je suis content. Ça me fait du bien dans ma vie d'athlète, surtout que je suis pleinement dans ma vie d'athlète aujourd'hui puisque je fais des performances qui me permettent d'être médaillé mondial, donc vaut mieux bien le vivre quand même. Et alors, est-ce qu'à l'inverse, Quentin, tu as un radar antidopage? Est-ce que tu sens les dopés autour de toi? Non, mais c'est une vraie question. On est tous devant la télé à dire « Ah, lui, j'ai un doute !» Est-ce que toi, tu te rends compte de ça? Alors, je pense que je suis devenu même naïf, clairement.
Il y a des fois, je me dis, non, mais c'est pas possible. J'y crois pas. Bon, il y a eu des athlètes qui se sont fait contrôle positif. Je me dis, mais c'est pas vrai. J'y crois pas. C'est pas possible. Je pense que le fait, justement, d'être passé par une phase où je me disais, c'est pas normal, tout le monde le fait pas, etc. Je suis tombé dans l'inverse, c'est-à-dire dans la presque naïveté en me disant, non, mais non, de toute façon, personne ne triche, plus personne ne triche. Et voilà. Non, non, j'ai pas de radar du tout. Après, des fois, il y a des trucs, on se dit, ouh, c'est quand même douteux. Mais bon, sans plus, hein. Bon, Marie, on va faire cette dernière rubrique rapidement, mais c'est vrai qu'on a enquêté sur le nombre de prélèvements anormaux en 2019. Alors, quoi de neuf, docteur ? Alors, en 2019, selon l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, seulement 0,97% des prélèvements analysés étaient anormaux, ce qui nous amène à peu près au chiffre dont on a évoqué tout à l'heure. Jérémy, est-ce que tu penses qu'on peut considérer que ce chiffre est viable et qu'effectivement, il n'y a que 1% en moyenne des gens sur la planète qui se dopent dans le milieu du sport de haut niveau ? Sur le plan statistique, effectivement, d'une année sur l'autre, on trouve à peu près 1%, et d'ailleurs à peu près dans tous les pays. Voilà, c'est à peu près le nombre de violations des règles antidopage qui sont constatées avec des tests positifs. C'est le côté froid de la statistique. Après, il y a l'éternelle question, mais au fond, le dopage, ça représente quoi ? Ou quelle est la prévalence du dopage, pour utiliser le terme un peu des sciences sociales ? Et ça, c'est une vraie question qui se pose, y compris dans la communauté antidopage. Comment on mesure au mieux l'existence d'un phénomène de dopage ? Alors pourquoi, au-delà de la curiosité intellectuelle ? C'est parce que ça nous permet de mieux adapter nos contrôles, notre éducation vis-à-vis des publics qui sont peut-être fragilisés. Et là, on n'a jamais trouvé la formule magique. Il y a des tentatives qui sont faites régulièrement par l'Agence mondiale antidopage avec des organisations antidopage. On part, on va dire, d'un plancher qui serait le fameux 1%, le nombre de violations d'agents antidopage dont on est sûr, entre guillemets, à du ressenti, parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites auprès des sportifs. Et généralement, quand on le disait très bien, on peut avoir des réactions très différentes. Des personnes qui vont dire, ont l'impression qu'il y a du dopage partout, d'autres qui, au contraire, vont se dire, mais non, ce n'est pas possible, il n'y en a pas. Et donc, en réalité, c'est très difficile de caler une mesure sur un ressenti. Alors après, il y a des outils intermédiaires. On utilise les passeports, les alertes. Et donc, il y a des programmes pour essayer de se dire, au fond, si je regardais uniquement les alertes, pas à des fins de sanctions, mais pour me faire une idée à combien j'aboutirais. Moi, honnêtement, l'enseignement que j'en tire, c'est qu'il n'y a aucune mesure fiable pour le savoir. Certains vont vous sortir des chiffres du type 25% des sportifs sont dopés. D'autres vont vous dire non, c'est 1, 2, 3 maximum. C'est honnêtement impossible parce que c'est par nature un phénomène qui est dissimulé. Voilà. Moi, j'ai été très marqué par ce qu'a dit Quentin tout à l'heure. Je serais peut-être plus dur que lui. Je pense qu'on a formellement, en France, du retard sur la prévention à l'antidopage et sur la capacité à parler de l'antidopage. Et bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on espère qu'on sera visionné par plein de gens. Sophie, est-ce que vous avez des indices, des espions à l'ITA qui se cachent un peu partout sur la planète ? Alors, non, c'est pas d'espion, pas d'indic. Par contre, on est, donc comme le disait Jérémy en début d'émission, l'ITA a été fondée en 2018, hein, donc on est quand même assez récent. On a aujourd'hui une centaine d'experts, une soixantaine de partenaires, dont peut-être plus de deux tiers des fédérations olympiques d'été. Nous avons énormément de départements, comme on l'expliquait tout au long de l'émission. Il ne s'agit pas juste d'une équipe de tests. Nous avons des experts médicaux, scientifiques, nous avons des experts en analyse de risque, des experts en élaboration de plans de répartition des tests, des experts en éducation. Donc on est vraiment, à l'ITA, on a une vision vraiment globale et complète, si vous voulez, d'un programme antidopage à l'international. C'est très important de le souligner aussi, on gère des programmes antidopage indépendamment des pouvoirs sportifs et politiques, donc pour les fédérations internationales. Les organisateurs des grandes manifestations comme le CIO, donc notamment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi toute autre organisation antidopage qui demande un soutien. Donc pas d'indic à proprement parler, mais une collaboration globale, une vision globale avec énormément de partenaires à travers le monde. Sophie, est-ce qu'un athlète qui a déjà été contrôlé positif aura plus de contrôle qu'un autre athlète ? Alors, je reviens à l'histoire de Quentin. D'ailleurs, merci pour ton témoignage, Quentin, parce que je pense que c'est très, très, très important d'entendre des histoires comme la tienne.
un athlète qui a été contrôlé positif, alors déjà, il y a différents degrés de dopage. Il y a toujours le dopage volontaire, le dopage par manque de connaissances, par manque d'éducation, de prévention. Donc, c'est très difficile, de blâmer un athlète pour une violation des règles antidopage. Après, il y a certaines règles à respecter. Quand un athlète veut revenir à la compétition, effectivement, comme disait Quentin tout à l'heure, il a forcément été testé quand il est revenu sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas forcément quelque chose d'automatique. Aujourd'hui, on a des tests qui sont ciblés, on l'a expliqué à plusieurs reprises. C'est grâce à cette analyse de risque qui est effectuée. On détermine en fait le niveau d'exposition au dopage des différentes populations d'athlètes qui participent aux Jeux en ce qui nous concerne, donc pour Paris 2024. Ça prend en compte beaucoup de facteurs, des risques physiologiques qui sont spécifiques au sport et à la discipline, des risques nationaux spécifiques au sport, comme le disait Jérémy tout à l'heure aussi, mais des paramètres individuels, comme les performances ou l'historique des tests. Donc, c'est assez global. Jérémy, dernière question avant de terminer cette émission. Comment on peut faire pour qu'en fait, les produits dopants soient vraiment les mêmes dans tous les pays? Parce qu'on sait très bien que, par exemple, en France, il y a certains produits dopants qui ne seront pas forcément dopants à l'étranger. Est-ce que un jour, on pourra vraiment être aligné partout dans tous les pays? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la grande victoire de l'antidopage en à peine 20 ans, c'est inédit, c'est d'avoir déjà des règles communes dans le monde entier. La liste des substances interdites, elle est interdite dans le monde entier, on l'applique dans n'importe quel pays. Alors ensuite, il y a des substances qui sont par ailleurs interdites, je pense aux stupéfiants dans certains pays et pas d'autres, mais par exemple, ça va être des substances dopantes dans toutes les disciplines, dans tous les pays. Et ça, c'est très important parce que, en termes d'équité, pour que les sportifs de haut niveau aussi acceptent le prix à payer, parce que quand même c'est des contraintes, on l'a dit, ils l'acceptent bien parce que généralement ils voient la finalité, mais c'est des contraintes. Il faut qu'ils aient l'assurance que l'adversaire qui viendra par exemple au jeu, il ait eu le même traitement avant, il ait eu les mêmes contrôles avant les compétitions, sous le couvert de l'ITA, mais par l'ensemble des organisations antidopage. Donc heureusement, la liste, elle est commune. Ensuite, vous allez me dire, d'accord, la liste, elle est commune, mais est-ce que tout le monde met les mêmes moyens dans tous les pays pour s'assurer qu'on fait assez d'échantillons, etc. Là, c'est le rôle fondamental de l'Agence mondiale antidopage. Et effectivement, en 20 ans, ils ont bien perfectionné leur technique. Effectivement, ils savent qu'il y a des pays, j'allais dire pour lesquels ça roule, si vous me permettez l'expression. Donc, ils contrôlent, mais ils laissent faire les agences antidopage. Il y a d'autres pays qui ont besoin d'aide, tout simplement, parce qu'il faut structurer les agences antidopage. Et l'ITA, comme la FLD, le font avec d'autres agences sur des compétitions internationales. Par exemple, cette année, la FLD devra assister les Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a peu d'agences antidopage localement et qu'il faut assurer le programme antidopage. En 2027, les Jeux du Pacifique à Tahiti. Les Jeux de Paris 2024, il faudra aider tous nos homologues aussi parce qu'il y a des pays qui ont besoin et les délégations, elles viennent s'entraîner quelques mois avant. On sera là à l'appui. Ça, moi, je retiens ça de la communauté antidopage, c'est que c'est un réseau, comme disait Sophie. S'il y a quelqu'un qui chute, s'il y a quelqu'un qui est défaillant, par manque de moyens, par manque de volonté, hein, on a vu avec le scandale russe, ça peut exister, les autres sont là pour prendre la place, pour pallier, parce qu'au final, il faudra que les sportifs soient contrôlés pour qu'il y ait le sentiment, c'est important, le sentiment d'équité. L'adversaire que je vais affronter, même règle, même éducation, même prévention. Et si je peux juste insister sur ce dernier point, je le dis, quand on voit ce qu'ont fait les Britanniques il y a 10 ans aux Jeux de Londres, en termes d'éducation et de prévention, on en est loin encore. C'est-à-dire qu'il faut voir le dopage comme un risque réputationnel aussi, comme un risque pour les sportifs, pour les délégations nationales. Et là, je pense que ce n'est pas que les sportifs. Il faut que les encadrements sportifs, médicaux, comprennent que ce n'est pas parce que c'est le sportif à la fin qui va être sanctionné que c'est le problème du sportif et que finalement, on peut s'en laver les mains. Il faut sonner la mobilisation sur l'éducation antidopage. Et je pense qu'à la fois le témoignage de Quentin et l'expérience d'Anne sur ce qui se fait à l'INSEP, j'espère que ça va inspirer énormément de monde d'ici les Jeux, parce que je n'aimerais pas qu'avec l'ITA, on puisse constater que, ah, c'est bête, avant les Jeux ou pendant les Jeux, sur une délégation française, on a du dopage par négligence. Ils ne savaient pas la bonne information. Ah, ça serait terrible. On ne peut pas se le permettre, ni pour le sportif, ni pour nous collectivement. Anne, tu nous dis le... Ouais, vas-y, Quentin. Je voulais juste terminer sur l'éducation et je trouve dommage qu'il n'y a pas une chose qui soit faite assez simple. C'est qu'aujourd'hui, pour capter tous les jeunes globalement qui vont faire du sport en club, bah, ils vont tous, a priori, au collège ou au lycée. Et on a des profs de PS, des cours de PS, qui, je pense, pourraient être une bonne base pour enseigner les valeurs de la lutte antidopage ou en tout cas
communiquer dessus et avoir des formations dessus. Je pense que ça devrait être partie prenante du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, puisque on est en cours de sport, on apprend plein de choses en cours de sport et le dopage fait partie du sport. Et ça, je pense qu'il faut il faut vraiment l'intégrer, que ça fait partie de notre société. Et si on l'intègre, eh bien, je pense qu'on arrivera mieux à lutter contre tout ça. Donc voilà, je pense qu'une des choses simples, c'est aujourd'hui le mettre au programme des cours de PS, quoi, simplement. J'espère que les ministres de l'Éducation et du Sport t'entendront, Quentin. Moi, je vais témoigner auprès de Quentin que ça commence à se mettre en place. Hier, j'ai eu une visio avec une prof d'EPS d'un lycée qui fait la spécialité EPS en première et en terminale. Et on va intégrer un module dopage au mois de mars, justement auprès de ces élèves qui font la spécialité. Et l'idée, c'est que ça se diffuse après, au-delà de cette spécialité EPS, et que dès le primaire, les enfants soient sensibilisés effectivement à cette notion-là et à la notion de santé par le sport et pour le sport. Merci vraiment à tous les quatre, Jérémy, Anne, Sophie, Quentin, pour cette émission. C'était hyper intéressant. Ah oui, on aurait pu en parler encore. Et ouais, carrément. Merci Marie. Ben, merci à toi. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Athlètes, les rendez-vous de la CAN. Ciao, à bientôt sur Sport en France.